Gérard Schiffer est né le 16 mars 1946 à Neenah, dans le Wisconsin. Il est le premier des trois enfants de Gérard John Schiffer Sr. et de Doris Marie Schiffer. Son père est représentant de l'entreprise Kimberly Clark et sa mère, une femme au foyer qu'il idéalise beaucoup. Il grandit à Nashville dans le Tennessee et plus tard à Atlanta en Géorgie. Là-bas, il fréquente l'académie Marist jusqu'à ce que sa famille déménage définitivement à Fort Lauderdale en Floride en 1960. Gérard a une enfance troublée et turbulente, en grande partie à cause des fréquents déménagements familiaux, de l'alcoolisme de son père et des fréquentes violences verbales de son père envers sa femme et ses enfants. Bien que le travail du père de famille l'oblige à être fréquemment absent de la maison, il entretient une relation difficile avec son fils aîné Gérard. Il le rabaisse sans arrêt et montre clairement sa préférence envers sa fille par rapport à ses deux autres fils. En revanche, Gérard est proche de sa mère, qui est extrêmement protectrice envers ses enfants. Petit, Gérard préfère les activités de plein air. Dès son adolescence, il développe un intérêt pour la nature. Ses principaux intérêts sont la collecte d'armes à feu, la chasse et la pêche, ainsi que des activités que lui et son père pratiquent occasionnellement ensemble lorsque ce dernier est à la maison. Bien qu'il ne soit pas un solitaire classique, ses camarades de classe du lycée Saint-Thomas d'Aquin disent de lui qu'il ne fait partie d'aucune clique. Il poursuit souvent ses intérêts seul, amenant sa famille et ses pairs à le considérer comme un homme de plein air qui aspire à devenir garde forestier. Dès son adolescence, Gérard développe des fantasmes érotiques consistant à blesser des femmes qu'il juge dignes de son mépris. Ces fantasmes évoluent progressivement vers le développement d'un penchant pour le sadomasochisme et le bondage, ainsi que le plaisir de s'infliger de la douleur. Il porte occasionnellement des sous-vêtements féminins et atteint souvent l'orgasme par asphyxie auto-érotique. Généralement, ces rituels sadomasochistes implique que Gérard s'attache à un arbre dans les zones rurales. Ses fantasmes augmentent en termes de fréquence et d'intensité avec le temps, dominant progressivement plusieurs de ses heures d'éveil. Le garçon devient également un voyeur au milieu de son adolescence et est connu pour se travestir. Bien qu'il soit sorti avec quelqu'un pendant ses années de lycée, plusieurs camarades de classe le considèrent avec dédain. Une ancienne camarade de classe, Barbara Croclic, se souviendra plus tard de ceci. Je ne me souviens pas qu'il ait été ami avec aucun des gars. Il était toujours à l'extérieur et regardait à l'intérieur. En fait, la seule chose dont je me souviens vraiment, c'est que j'ai toujours dû rentrer ma jupe sous mes jambes parce que Gérard se tenait pratiquement sur sa tête pour regarder la jupe des filles. Il est considéré comme un étudiant prometteur par ses professeurs. Il est membre de l'équipe de football universitaire et il est connu pour être un excellent golfeur. Gérard est diplômé du lycée Saint-Thomas d'Aquin en juin 1964 et, par la suite, il travaille brièvement comme guide de pêche dans les Everglades avant de s'inscrire au Broward Community College en 1964. Ensuite, il se concentre sur l'enseignement dans lequel il obtient des notes plutôt moyennes. À la fin de sa deuxième année à Broward, il postule et est accepté pour une bourse à la Florida Atlantic University à Boca Raton, où il commence ses études en 1968 avec l'aspiration d'obtenir un baccalauréat en éducation. En décembre 1968, Gérard Schiffer épouse sa fiancée Martha Louise Fogg, une camarade de son école, de 2 ans sa cadette. Le couple loue une propriété sur SW Street à Fort Lauderdale, bien que leur relation se soit rapidement détériorée à cause des demandes incessantes de sexe de l'homme et du fait qu'il passe une grande partie de son temps libre à chasser.
Les deux divorcent le 2 mai 1970. Sa femme invoque l'extrême cruauté de son mari comme raison de leur séparation. Peu de temps après, Gérard entame une brève relation avec une femme physiquement handicapée qu'il rencontre dans une clinique de santé mentale de Fort Lauderdale. Néanmoins, le couple se sépare rapidement. En mars 1969, il postule avec succès pour un stage d'enseignement à la Plantation High School. Il commence ce poste le 23 septembre en enseignant principalement la géographie. Cependant, il est licencié le 7 novembre pour avoir refusé d'accepter les conseils de ses supérieurs et pour avoir continuellement tenté d'imposer ses propres opinions, morales et politiques à ses étudiants. Ceci amène l'école à recevoir de nombreuses plaintes de parents. Peu de temps après, l'homme postule sans succès pour un poste d'étudiant-enseignant à l'école secondaire communautaire de Boca Raton. 4 mois plus tard, en mars 1970, Gérard postule avec succès pour un autre stage d'enseignement. Il commence à enseigner la géographie au lycée de Strahanan le 2 avril. Les rapports de progrès contemporains indiquent que Gérard a de mauvais résultats et ses supérieurs notant à la fois son arrogance et sa connaissance très limitée de la matière qu'il enseigne. 7 semaines après qu'il ait commencé ce poste d'enseignant, le directeur de l'école l'informe de la décision de le retirer du stage le 18 mai. Sa carrière d'élève enseignant prend officiellement fin le lendemain. Peu de temps après la fin de sa carrière d'enseignant, Gérard part en vacances en Europe et en Afrique du Nord avant de retourner en Floride où il travaille brièvement pour la Wackenhut Corporation en tant qu'agent de sécurité alors qu'il réfléchit à sa prochaine évolution de carrière. En janvier 1971, il rencontre une secrétaire de 19 ans nommée Teresa Dean. Alors qu'il travaille toujours comme agent de sécurité, les deux se sont rapidement fiancés et se sont mariés à Fort Lauderdale le 11 septembre de la même année. Selon Gérard, son deuxième mariage est plus harmonieux que le premier. Sa deuxième épouse acquiesce volontiers à ses fréquentes demandes sexuelles et partage également sa passion pour la pêche dans des endroits tels que les Florida Keys. Le 1er septembre, il postule pour un poste vacant au sein du service de police de Wilton Minors. Il ne divulgue pas le fait qu'il avait été licencié à 2 reprises de ses postes d'enseignant au cours de l'année précédente, affirmant à tort avoir acquis 2 ans d'expérience en tant qu'assistant de recherche et être revenu du Maroc. Les antécédents professionnels de l'homme ne sont pas vérifiés. Il est officiellement intronisé au service de police du comté de Broward en septembre 1971, obtenant son diplôme de patrouilleur à la fin de l'année, à l'âge de 25 ans. Le mandat de chiffeur au sein de la police ne dure que 6 mois. Bien qu'il reçoive des éloges de ses supérieurs et une occasion concernant sa conduite lors d'une descente de police en mars 72 dans une maison de drogue, sa performance générale est considérée comme... Il est démis de ses fonctions lorsque ses supérieurs découvrent son habitude d'arrêter les voitures conduites par des femmes ayant commis des infractions mineures au code de la route, puis de saisir leur numéro de plaque d'immatriculation dans une base de données pour obtenir des informations personnelles supplémentaires sur elles avant de les contacter afin de les inviter à des rendez-vous galants. Peu de temps avant ce licenciement, Gérard commence à chercher un nouveau poste de policier mieux rémunéré. Il commence son service en tant qu'adjoint au département du shérif de comté de Martin le 23 juin 1972, après avoir contrefait une lettre de recommandation de Wilton Minors approuvant sa candidature. Une vérification très standard des antécédents révèle qu'il n'a aucun casier judiciaire. Dans l'après-midi du 21 juillet 1972, Gérard rencontre 2 adolescentes autostoppeuses nommées Nancy Ellen Trotter, 18 ans, et Paula Sue Wells, 17 ans. Il conduit les deux amies jusqu'à leur destination prévue, Stuart, bien qu'il ait mis en garde les filles contre les périls de l'autostop.
Après avoir appris qu'aucune des deux filles n'est originaire de Floride et que les deux ont l'intention de se rendre à Jensen Beach le lendemain, Gérard leur propose de les conduire sur place. Les filles acceptent son offre et conviennent alors de le retrouver à un kiosque à musique sur East Ocean Boulevard à 9h15. Le lendemain matin, l'homme est arrivé au kiosque à musique à l'heure convenue. À cette occasion, il ne porte pas son uniforme et conduit son propre véhicule, bien qu'il convainque les deux jeunes filles qu'il est toujours en service, après avoir été transféré à des tâches d'infiltration en civil et conduisant ainsi un véhicule banalisé. Peu de temps après que les filles soient entrées dans le véhicule, le policier dévie de leur itinéraire prévu sous prétexte de montrer aux filles un vieux fort espagnol près de l'île d'Hutchinson. En cours de route, il sermonne de nouveau brièvement les filles contre le fait d'accepter des voyages d'étrangers au hasard et les dangers d'être vendues comme esclaves blancs. Ensuite, il arrête le véhicule près d'un hangar délabré au fond d'une forêt isolée, où il menotte et bâillonne les filles. Il emmène une victime près d'un grand cyprès, près de la rivière Indiane. Il lui attache ses jambes au tronc, juste au-dessous de ses genoux, avant de lui attacher un nœud coulant autour du cou, qu'il fixe alors à une branche. La jeune femme se doit de tenir sur les racines exposées pour contrer la pression du nœud coulant. Ensuite, l'homme emmène l'autre victime vers un autre arbre, à une courte distance, où elle est également liée de la même manière. Gérard leur informe ensuite que tous deux seront violés, puis assassinés. À ce moment-là, l'homme reçoit une dépêche radio urgente, l'informant de se présenter immédiatement au commissariat de police. Il laisse les deux filles liées et debout sur leur socle, jurant qu'il reviendrait bientôt, et s'exclamant ensuite à quelqu'un: « Je dois y aller. Les deux filles sont averties de ne pas essayer de s'enfuir, car je ne serai pas très loin de la route. » Cette personne à qui Gérard parle est la personne à qui il a l'intention de vendre les jeunes filles. Lorsque le policier revient dans la forêt environ 2 heures plus tard, il découvre que les deux filles se sont échappées. Il décide de rentrer immédiatement chez lui pour appeler son commissariat. Gérard informe alors le shérif Robert Crowder de ceci. J'ai fait quelque chose de très stupide. Vous serez en colère contre moi. Gérard Schiffer explique ensuite qu'il a décidé de donner une bonne leçon à deux filles sur les risques de l'autostop, mais qu'il a exagérer le travail. Il explique ensuite qu'il a abandonné les deux femmes dans la zone marécageuse de l'île d'Hutchinson, non loin de la rivière Indiane. Le shérif Crowder et le lieutenant Melvin Waldron se rendent immédiatement sur la Florida State Road, où, à proximité de l'autoroute, ils découvrent une adolescente désespérée et partiellement bâillonnée, les mains attachées derrière le dos, nageant dans une rivière. Alors que les policiers ralentissent jusqu'à s'arrêter, ils observent la jeune fille désemparée sortir de la berge avec des parties de son jean et de son chemisier déchiquetés, tentant de gesticuler pour attirer leur attention. Après avoir retiré le bâillon de la bouche de la jeune fille, les policiers l'interrogent. La femme s'identifie comme Nancy et dit que son amie est quelque part dans la forêt. À son grand soulagement, elle est informée qu'un chauffeur de camion a découvert son amie, titubant à travers les bois en direction de l'autoroute, environ 45 minutes plus tôt, et qu'elle est déjà au poste de police. Les deux jeunes femmes se retrouvent donc au poste de police et racontent leur calvaire au shérif. Les deux filles déclarent qu'elles ont réussi à s'échapper de leur attache en se tordant avec précaution et en desserrant leur bâillon avec les dents, tout en maintenant leur équilibre sur les racines des arbres exposés. Chacune déclare que le processus pour se libérer avait pris un temps considérable et qu'elles étaient parfaitement conscientes que si elles avaient glissé, elles auraient fini pendues. Elles fournissent une description détaillée de leur agresseur et de son véhicule avant d'identifier formellement Gérard Schiffer comme la personne responsable de leur calvaire. Bien que Gérard ait réitéré son insistance sur le fait qu'il a simplement réagi de manière excessive dans ses efforts pour démontrer aux deux jeunes femmes les dangers de l'autostop, son histoire n'est pas crue. Il est alors démis de ses fonctions et placé en état d'arrestation.
Environ 2 semaines après son arrestation, Gérard verse une caution de 15 000 $, ce qui signifie qu'il est resté en liberté avant son procès prévu en novembre 1972. Il retourne à la maison que lui et sa seconde épouse louent à Stuart. Sa femme et sa belle-famille notent aucun changement dans son comportement, estimant qu'il prétend avoir simplement essayé de donner une leçon aux autostoppeuses. Pendant que Schiffer attend son procès, il obtient un emploi subalterne chez Quick Check. Le 27 septembre 1972, il enlève 2 amies adolescentes nommées Suzanne Carol Place, 17 ans, et Georgia Marie Chesup, 16 ans. Les deux ados rencontrent Schiffer dans un centre d'éducation pour adultes à Fort Lauderdale. L'homme se présente aux filles comme étant Jerry Shepherd, prétendant être originaire du Colorado et déclarant qu'il a l'intention d'y retourner après un voyage au Mexique. L'après-midi de leur disparition, la mère de Suzanne, Lucie, arrive à la maison et trouve sa fille en train de ranger sa chambre, alors que Georgia est assise sur une chaise. Toutes deux présentent le fameux Jerry Shepherd à Lucie. Suzanne informe sa mère qu'elle, Georgia et Jerry ont l'intention de voyager de Fort Lauderdale à la plage afin de jouer de la guitare. Même si la mère de Suzanne reste méfiante, Jerry lui assure que ses intentions sont nobles. Néanmoins, elle note le numéro de la plaque d'immatriculation de sa voiture. Suzanne confirme les soupçons de sa mère selon lesquels elle a l'intention de quitter la maison, même si elle lui assure en larmes qu'elle part juste pour un petit moment et qu'elles resteront en contact. Les filles et Gérard, alias Jerry, quittent la maison vers 20 h 45 ce jour-là. Lorsque Suzanne ne revient toujours pas après 4 jours, Lucie contacte d'abord la mère de Georgia, Shirley. Cette dernière lui apprend que sa fille s'est enfuie le 27 novembre et qu'elle n'a également plus de nouvelles d'aucune des deux filles depuis. Les deux filles sont ensuite portées disparues. Lucie fournit aux enquêteurs l'immatriculation du véhicule qu'elle avait relevé, en plus d'une description physique de l'homme avec qui les filles avaient quitté la maison. L'immatriculation est attribuée à un modèle de véhicule totalement distinct appartenant à un habitant de Saint-Pétersbourg qui ne ressemble pas à Jerry Shepherd et qui dispose d'un alibi solide pour la date de la disparition des filles. Le seul Jerry Shepherd enregistré comme vivant à Fort Lauderdale est également éliminé des enquêtes de police. Début 1973, la disparition des adolescentes est en grande partie devenue une affaire classée. Marie-Alice Briscolina, âgée de 14 ans, et Elsie Lina Farmer, 13 ans, disparaissent alors qu'elles font de l'autostop vers un restaurant de Commercial Boulevard. Depuis un motel de Lauderdale by the Sea le 26 octobre 1972, moins d'un mois après le dernier voyage de Suzanne et Georgia. Le corps des deux fillettes sont retrouvés séparément dans les sous-bois près de Sunrise Boulevard, non loin de la ville de Plantation. Au début de l'année suivante, toutes deux avec les jambes écartées. Marie-Alice a été abondamment battue à la tête, un coup porté au crâne s'étant révélé mortel. Plusieurs de ses ongles ont été arrachés de son corps, signe d'une lutte physique féroce avec son assassin. Elsie Lina a également été matraquée à mort. L'interrogatoire ultérieur des amis de Marie-Alice révèle qu'elle et Elsie Lina visitaient fréquemment un appartement de Lauderdale by the Sea, loué par la sœur aînée du petit ami de Marie-Alice. De plus, ils disent se souvenir qu'un individu nommé Gary Shepherd était une connaissance de Marie-Alice. Cet individu, que plusieurs personnes identifient comme étant Gérard Schiffer, a également affirmé être un ancien policier de Wilton Minors. 3 mois plus tard, le 11 janvier 1973, les autostoppeuses de Colette Marie Goodenough et Barbara Ann Wilcox, toutes deux âgées de 19 ans, disparaissent alors qu'elles font du stop depuis Sioux City vers la Floride. Toutes deux sont vues vivantes pour la dernière fois à Biloxi, dans le Mississippi,
Leurs disparitions se sont produites alors que Gérard demeurait libre avant de commencer sa peine pour les enlèvements de Trotter et Wales. On sait qu'il a passé un appel téléphonique longue distance depuis Cedar Rapids et sa résidence en Floride peu avant la disparition de Colette et Barbara Ann, et a peut-être rencontré les deux alors qu'il retournait en Floride. Les restes squelettiques des deux jeunes femmes sont retrouvés dispersés près d'un grand arbre et d'une caisse d'oranges en janvier 1977. Les deux victimes ont été liées ensemble avec du fil de fer et des empreintes sur les branches de l'arbre, associées au positionnement réel de la caisse d'oranges, indiquent que l'une ou les deux victimes ont été suspendues à l'arbre alors que le meurtrier se tenait sur la caisse d'oranges. En décembre 1972, Gérard compare devant le tribunal au sujet des enlèvements de Trotter et Wales, grâce à une négociation de plaidoyer que son avocat lui recommande fortement d'accepter. Le criminel plaide coupable à une seule accusation de voies de fait grave, pour laquelle il est condamné à une peine d'un an de prison, avec possibilité de libération conditionnelle après 6 mois, suivi de 3 ans de probation. Lors du prononcé de la sentence le 22 novembre, le juge D.C. Smith fustige Schiffer, l'informant. Il dépasse l'imagination du tribunal de concevoir à quel point vous avez été un crétin aussi stupide que vous l'étiez dans cette affaire. Il permet que la condamnation formelle de Schiffer soit reportée à après les vacances, et le criminel commence alors à purger sa peine dans la prison du comté de Martin le 15 janvier 1973. En quittant le tribunal le 22 décembre, Schiffer informe plusieurs journalistes ceci: J'ai fait une erreur stupide. Il n'y a pas eu de relation sexuelle. Personne n'a été blessé. En mars 1973, Lucy, la mère de Suzanne Place, découvre une lettre écrite par Jerry Shepherd dans la chambre de sa fille. Elle se rend à l'adresse de retour de la lettre, le 333 Martin Avenue à Stuart, en Floride. Là-bas, elle apprend du gestionnaire de l'immeuble que Jerry Shepherd s'est enregistré dans la propriété sous son vrai nom, Gérard Schiffer, et qu'il a récemment été envoyé en prison pour l'enlèvement et la tentative de pendaison de deux jeunes filles. Alors que Lucie et son mari parcourent le comté en voiture, elle se rend compte que les enquêteurs ont probablement noté à tort le numéro de plaque d'immatriculation des Schiffer comme étant enregistré dans le comté de Pinellas et non dans le comté de Martin, étant donné que la plupart des plaques d'immatriculation qu'elle observe dans le comté de Martin commencent par 42 et non par 4, comme dans le comté de Pinellas. En transmettant cette nouvelle information à la police, elle découvre que la plaque qu'elle a révélée appartient en réalité à une Datsun bleu-vert immatriculée au nom d'un certain Gérard Schiffer, qui réside au 333 Avenue Martin. Interrogé, Schiffer nie formellement avoir rencontré Suzanne Place ou ses parents, bien que Lucie l'identifie positivement grâce à une photographie personnelle. Dans l'après-midi du 1er avril, un père et son fils, à la recherche de canettes d'aluminium jetées, découvrent les restes largement décomposés de deux individus dispersés dans et autour d'un trou creusé parmi les arbres du parc Oak Hammock, à Port-Saint-Lucie, en Floride. L'emplacement de cette tombe est à 65 mètres du chemin de terre le plus proche. La tombe elle-même mesure 69 cm de profondeur. De profondes marques d'éraflures sont évidentes à la base de l'arbre, immédiatement à côté de la tombe, près de l'endroit où des sections d'un torse ont été liées à la base du tronc. Une victime porte les restes de jean bleu, arborant un emblème circulaire du Roadrunner, tandis que l'autre est complètement nue, et une pile de vêtements appartenant aux défuntes est découverte dans le sous-bois à proximité. Des sections des deux corps sont manifestement exhumées et dispersées par la faune. L'emplacement des découvertes est à environ 6 miles de l'endroit où Trotter et Wells ont été retenus captives avant leur évasion l'été précédent. Les deux victimes ont été ligotées et assassinées, la moelle épinière ayant été sectionnée au niveau des lombaires et des cervicales. Plusieurs os sont complètement sectionnés à l'aide d'un couteau ou d'une machette.
Les corps ont été décapités après leur mort et leurs mâchoires ont subi de nombreuses fractures. Un ensemble de restes, identifié plus tard comme étant Susan Place, a également subi une blessure par balle à la mâchoire inférieure. De plus, des sections d'écorce d'arbres sur un figuier à environ 2,7 mètres de la tombe indiquent que l'une ou les deux victimes ont été suspendues à cet arbre assez longtemps pour laisser des marques de traits pointes dans l'écorce avant leur mort. Et les initiales GJ ont été gravées dans le tronc d'arbre, dont les racines portaient plusieurs incisions profondes au couteau, à la machette ou à la hache, contenant des sections déchirées de fibres de vêtements. Les corps sont emmenés au département du médecin légiste du comté de Dade. Le 5 avril, le docteur Richard Souviron identifie formellement les victimes via des dossiers dentaires et des fractures osseuses guéries, comme étant Susan Place et Georgia Jessup. Peu de temps après, Gérard est informé des identifications. Il demande immédiatement la représentation d'un défenseur public. La personne désignée comme son défenseur légal est Elton Schwartz. L'emplacement de ces découvertes et l'identité des défuntes, ainsi que les similitudes dans le modus operandi de la méthode d'enlèvement et de meurtre de Place et de Jessup, avec la captivité antérieure de Trotter et Wells par Schiffer, conduisent la police des comtés de Broward et de Martin à obtenir des mandats de perquisition pour la maison et le véhicule du criminel, ainsi que pour la maison de sa mère. Dans une chambre verrouillée dans la résidence de la mère de Schiffer, à Fort Lauderdale, la police trouve 300 pages d'histoires sinistres, parfois accompagnées d'illustrations grossières, que Gérard avait écrites et dactylographiées au cours de plusieurs années. Ces histoires détaillent l'enlèvement, l'humiliation, le viol et l'exécution par pendaison d'un certain nombre d'adolescentes et de jeunes femmes qu'il qualifie régulièrement de putes, de salopes et de prostituées, dont deux nommées Belinda et Carmen. Est une femme non identifiée qu'il décrit graphiquement pendue dans un endroit inconnu près de Powerline Road. Plusieurs de ces récits indiquent que les criminels a forcé ses victimes à boire des boissons, généralement de la bière ou du vin, alors qu'elles se tenaient sur des socles de fortune avec un nœud coulant autour du cou, afin qu'ils puissent les observer uriner pendant leur pendaison. Il est revenu fréquemment sur ces scènes de crime des semaines ou des mois après les meurtres pour commettre des actes de nécrophilie avec les corps enterrés et démembrés, ou alors pour arracher des dents des victimes. Ses écrits révèlent également sa fascination pour les méthodes historiques de torture et d'exécution, et le plaisir qu'il tire de l'observation de femmes en détresse en train d'uriner ou de déféquer avant ou au moment de leur pendaison. 11 armes à feu, des sacs remplis de cartouches réelles et usagées, 13 couteaux de chasse, des morceaux de cordes et des dizaines de magazines pornographiques qu'il avait modifiés pour représenter des femmes nues en train d'uriner, attachées avec des cordes, suspendues à des arbres, sont aussi retrouvées à la résidence de Fort Lauderdale. D'autres images récupérées sont 37 photographies Polaroid en noir et blanc représentant des femmes pendues et mutilées, soupçonnées d'être dans des zones de sous-bois à Davie, en Floride, bien que la mise au point de ces images soit insuffisante pour permettre l'identification des victimes. Plusieurs autres images représentent Gérard Schiffer, vêtu de vêtements féminins, simulant se pendre à un arbre avec des matières fécales étalées sur lui. Une lettre datée du 20 juillet 71, émanant d'un individu de Brunswick East, en Australie, est également découverte. Gérard avait fait la connaissance de cet individu lors de son voyage au Maroc, à l'été 70. La lettre contient de nombreuses images Polaroid sur lesquelles nous pouvons voir des femmes qui ont été largement éventrées et mutilées à coups de couteau et de hache. À l'intérieur d'une boîte à bijoux en or, les enquêteurs découvrent des effets personnels tels que des bijoux, des passeports et des vêtements appartenant à plusieurs victimes du criminel. Les enquêteurs n'ont pas pu établir de lien entre certains de ces objets et les individus disparus ou assassinés. Cependant,
D'autres sont identifiées comme appartenant à des jeunes femmes portées disparues ces dernières années. Un médaillon en or portant le nom Leight est déterminé comme appartenant à une femme disparue, nommée Leight Eileen Bonadies, qui a été une voisine de Schiffer lorsque tous deux étaient adolescents et qui a disparu depuis septembre 1969. Les policiers retrouvent également un permis de conduire appartenant à Barbara Ann Wilcox et un passeport appartenant à Colette Marie Goodenough, toutes deux portées disparues en janvier 1973. De plus, des dents et des sections d'os identifiées plus tard comme appartenant à au moins 8 victimes sont découvertes dans la propriété. Le 6 avril, la perquisition de la résidence de Gérard Schiffer dans le comté de Martin donne moins de preuves matérielles, bien que les enquêteurs y découvrent deux dents humaines rangées dans une capsule en plastique à l'intérieur de la chambre principale, plusieurs couteaux et armes à feu et un objet largement taché de sang. De plus, ils découvrent le sac à main en daim distinctif de Georgia Jessup, qui est en possession de l'épouse de Schiffer. Cette dernière informe la police que son mari lui a offert l'article vers novembre de l'année précédente. Le 12 mai, les enquêteurs rassemblent suffisamment de preuves matérielles et circonstancielles pour relier Gérard Schiffer à 9 meurtres et disparitions non résolues datant d'entre 1969 et 1973. Le même mois, un périodique publie une liste de 28 personnes assassinées ou portées disparues liées à Schiffer. Toutes sont des femmes. La majorité de ces individus sont originaires de Floride, bien que deux victimes soient chacune originaire de l'Iowa et de la Virginie occidentale. Lors d'une conférence de presse tenue le 14 mai, l'enquêteur en chef, Lem Brûlé Jr., informe les médias que, en termes d'ampleur et de bizarrerie, l'affaire est la plus importante qu'il ait rencontrée dans sa carrière à ce jour. Le 18 mai 1973, Gérard Schiffer est officiellement accusé de meurtre au premier degré pour les meurtres de Place et Jessup. Il est détenu sans caution en attendant son procès et est transféré à l'hôpital d'État de Floride à Chattahoochee pour subir 30 jours d'examen psychiatrique avant d'être envoyé à la prison du comté de Saint-Lucie le 20 juin. Les résultats de ces examens révèlent que Schiffer souffre de paranoïa, de psychose et de déviation sexuelle aiguë et qu'il se considère comme un éliminateur de femmes qu'il juge immorales, mais néanmoins mentalement compétent pour subir son procès. Lors d'une audience devant un tribunal de circuit le 21 juin, le procureur de district, Robert Stone, fait valoir avec succès devant le juge Cyrus Pieffer, Trowbridge, que Schiffer est sain d'esprit et donc compétent pour subir son procès. Le criminel proteste avec véhémence son innocence, affirmant que les accusations portées contre lui sont une erreur, et informe même un journaliste qui reste confiant qu'il sera disculpé. Gérard est jugé le 17 septembre 1973 dans le comté de Saint-Lucie devant le juge Trowbridge. L'équipe de poursuite est composée de Stone et Philip Shelley, assistée de Richard Purdy et Anthony Young. Gérard Schiffer est défendu par Schwartz et Bruce Colton, assisté de James Breaker. Comme les meurtres de Place et de Jessup ont été commis à un moment où la Cour suprême de Floride a déclaré la peine capitale inconstitutionnelle dans l'État, les procureurs demandent la prison à vie contre Schiffer. Ce dernier plaide non coupable des accusations portées contre lui et fait fréquemment preuve d'une attitude distante tout au long de la procédure officielle, regardant souvent froidement les témoins à charge pendant qu'ils disposent, et se tournant vers les membres de la presse en souriant lorsqu'un témoin témoigne pour lui. Bien que Gérard témoigne lors de l'audience préliminaire au cours de laquelle il nie toute culpabilité dans les meurtres de Place et Jessup, et affirme être incapable de se rappeler où il se trouvait à la date de leur enlèvement et de leur meurtre, sur les conseils de son avocat de la défense, il ne témoigne pas au procès lui-même, qui a officiellement débuté le 19 septembre. Dans sa déclaration d'ouverture au jury le 19 septembre, Stone expose l'affirmation de l'accusation selon laquelle les preuves matérielles et circonstancielles à présenter, en plus des diverses formes de témoignages,
illustrerait clairement la culpabilité de Schiffer dans les meurtres de Place et Jessup, et que l'État s'attend à ce que les jurés rendent un verdict de culpabilité de meurtre au premier degré pour les deux chefs d'accusation. Après la conclusion de la déclaration liminaire de Stone, Schwartz demande la permission du tribunal de réserver sa déclaration liminaire jusqu'à ce que l'État termine sa thèse. Cette demande est accordée sans objection de la part du parquet. La stratégie de la défense du criminel consiste à discréditer les témoignages des victimes et des familles des défuntes concernant l'identification de Schiffer. Plusieurs personnes, dont la sœur et l'épouse de Schiffer, témoignent des caractéristiques physiques et de la tenue vestimentaire différente du criminel de celle décrite par les parents de Susan Place. Un compagnon de chasse nommé Edward Harris témoigne aussi au nom de Schiffer et déclare qu'il porte toujours un sac à main similaire à celui identifié par les parents et la sœur de Jessup. Après les plaidoiries finales, le jury commence ses délibérations à 15h45. Il délibère pendant 5h10 avant de revenir avec deux verdicts de meurtre au premier degré que le juge Trowbridge annonce officiellement au tribunal à 23h05. Dès réception de ce verdict, Gérard Schiffer proclame son innocence, déclarant aux journalistes « C'est le coup de dé, j'ai eu une bonne défense, mais je suis innocent. » Les plaidoiries finales pour déterminer la peine que Schiffer devrait recevoir commencent le 3 octobre. Le lendemain, Gérard Schiffer est condamné à deux peines concurrentes d'emprisonnement à perpétuité. Lorsqu'on lui demande s'il a quelque chose à dire avant le prononcé de sa peine, Schiffer clame une nouvelle fois son innocence avant de demander qu'il soit envoyé dans un hôpital psychiatrique plutôt qu'en prison. La mère de Susan Place exprime sa satisfaction quant à la condamnation de Schiffer à la réclusion à perpétuité, plutôt qu'à la peine de mort, informant les journalistes. Au début, je pensais que j'aimerais le voir mort, mais je pense que les gens souffrent davantage de l'enfermement. La mort est la solution de facilité, tant qu'il n'est plus jamais dans la rue. Dans les années qui suivent sa condamnation, Schiffer maintient son innocence dans les meurtres de Place et de Jessup et nie sa culpabilité dans les autres meurtres, insistant sur le fait qu'il a été piégé par ce qu'il qualifie de procureur trop zélé, de membres des forces de l'ordre corrompus et de son propre avocat, Elton Schwartz, qui a finalement épousé la seconde épouse de Gérard le 21 décembre 1973. Bien qu'il maintienne son innocence et prétende n'avoir jamais rencontré l'une ou l'autre fille, Schiffer décrit fréquemment et faussement Place et Jessup comme des consommatrices d'héroïne, des informatrices de la police et des promiscuités. Pendant son incarcération, Gérard développe une réputation parmi ses co-détenus comme un individu distant et impérieux que beaucoup soupçonnent d'être un informateur dans le but d'obtenir des privilèges auprès des autorités. Au cours des premières années de sa détention, il est placé à l'isolement pour violation du courrier en prison à plusieurs reprises, parfois pour avoir tenté de persuader des membres du public de lui envoyer des sous-vêtements féminins. Il consacre une grande partie de son temps à la correspondance et à ce qu'il appelle un nouveau genre d'écriture, fiction tueuse. Schiffer décrit ce genre comme un genre qui ne glorifie pas la violence, mais permet au lecteur de voir les actes de meurtre et de nécrophilie dans une dure réalité. Bien qu'il affirme que ses écrits sont fictifs, plusieurs enquêteurs pensent que bon nombre de ses écrits intègrent ses propres meurtres et agressions. En 1983, Schiffer est transféré à l'établissement correctionnel d'Avon Park. Là-bas, il aide les autorités à obtenir des preuves suffisantes pour obtenir la condamnation du pédophile Mervyn Eric Cross, qui dirige discrètement une opération internationale de pornographie juvénile durant son incarcération. Les informations fournies par Schiffer aboutissent à l'arrestation et à la condamnation de deux individus situés à Seattle et à Los Angeles, dont un enseignant, ainsi qu'à la saisie de milliers d'images indécentes d'enfants dans quatre États et au transfert de Cross à la prison d'État de Floride et au placement à l'isolement. Schiffer est renvoyé à la prison d'État de Floride en août 1985.
London, qui a été la petite amie de Schiffer au lycée peu avant l'obtention de son diplôme en 64, a longuement interviewé Schiffer après sa condamnation. Elle lui sert progressivement de co-auteur dans son genre d'écriture, publiant plus tard une compilation de ses nouvelles et dessins intitulée Killer Fiction en 1970. Un deuxième livre, Beyond Killer Fiction, est publié 2 ans plus tard. Les histoires de Killer Fiction et Beyond Killer Fiction impliquent généralement la torture sauvage et graphique, la mutilation et le meurtre de jeunes femmes, généralement écrites du point de vue du tueur, qui est souvent un policier voyou. Schiffer est resté catégorique sur le fait que les histoires dont il est l'auteur sont de la pure fiction et qu'il a en fait commencé à écrire des histoires de cette nature dans les années 1960, après avoir été inspiré pour le faire après avoir regardé le film de Herschel Gordon Lewis qui est sorti en 1963, Blood Feast. Cependant, la police et les procureurs considèrent le contenu comme une description à peine voilée de ses crimes réels. Dans des lettres privées à ses avocats, Schiffer admet que ses spéculations sont vraies, affirmant qu'une histoire, Murder Demons, raconte spécifiquement les meurtres de Briscolina et Fermer. Quand j'ai attrapé Jessup et Place, j'étais dans le jeu des ghouls depuis près de 10 ans. Donc je savais à quoi m'attendre de ces jeunes créatures juteuses à la fin. Faire des doubles est bien plus difficile, faire des simples. Mais d'un autre côté, cela permet également de s'amuser 2 fois plus. Il peut y avoir des discussions animées, comme quelle victime sera tuée en premier. Lorsque vous avez une paire d'adolescentes animées, pieds et poings liés, et prêtes à une séance avec le couteau à dépecer, aucun des petits diables ne veut être le premier à commencer. Et cela ne les dérange pas de vous expliquer rapidement pourquoi c'est leur meilleur ami qui devrait mourir. Ceci est une lettre écrite par Schiffer à l'auteur Sondra London, détaillant les meurtres de Place et Jessup. London note qu'au moment où Schiffer correspondait avec elle, il proclamait publiquement son innocence et menaçait de poursuivre en justice quiconque qui le qualifiait de tueur en série. Dans une lettre, Schiffer affirmait avoir commencé à assassiner des femmes en 1965, alors qu'il avait 19 ans. Dans une autre, il prétendait être responsable de la disparition de 2 écolières, Peggy Rahn, 9 ans, et Wendy Stevenson, 8 ans, qu'il prétendait avoir kidnappées à Pompano Beach et cannibalisées en décembre 1969. Publiquement, Schiffer a nié toute implication. London a mis fin à sa collaboration avec le criminel en 1991, peu de temps après avoir publiquement répudié ses affirmations selon lesquelles il n'était qu'un ex-flic piégé qui écrivait des fictions sinistres. Après avoir appris qu'il avait été publiquement réprimandé par London, Schiffer aurait menacé sa vie à plusieurs reprises. L'une des nombreuses poursuites frivoles qu'il a intenté était dirigée contre elle pour l'avoir publiquement qualifiée de tueur en série sous forme imprimée. Pour soutenir la défense de London contre ce procès, elle a rassemblé une pièce à conviction de photocopie de 500 pages incriminante de la correspondance manuscrite de Schiffer. Le juge a immédiatement rejeté la plainte de Schiffer. Le 3 décembre 1995, Gérard Schiffer est poignardé à mort sur le sol de sa cellule. Il est poignardé plus de 40 fois au visage, à la tête, au cou et au corps. La gorge également tranchée, l'œil droit détruit et plusieurs côtes fracturées. Son corps est découvert après qu'un co-détenu ait informé le personnel de sa mort. Selon les responsables de la prison et les procureurs, c'est un co-détenu de 32 ans, nommé Vincent Faustino Rivera, qui a assassiné Schiffer à la suite d'une dispute pour savoir qui avait reçu la dernière tasse d'eau chaude d'un distributeur. Rivera est reconnu coupable du meurtre de Schiffer en 1999. Il est alors condamné à 53 ans et 10 mois d'emprisonnement, ajouté à la peine d'emprisonnement à perpétuité, plus 20 ans qu'il purgeait déjà pour un double homicide commis à Tampa en 1990. Rivera n'a jamais avoué le crime ni donné de motif pour le meurtre. On soupçonne que Gérard a été tué parce qu'il était un informateur de la prison, car au cours de l'année précédant son meurtre, d'autres détenus lui avaient jeté
à plusieurs reprises des excréments humains et avait incendié sa cellule. L'agent de classification de Jair Schiffer aurait confirmé qu'il avait été assassiné en réponse directe à sa fuite d'informations confidentielles aux autorités concernant un détenu très respecté et puissant. À ce jour, Gérard Schiffer est considéré comme étant le tueur le plus meurtrier et comme étant pire que Ted Bundy.